Nous sommes réunis aujourd'hui sur ce merveilleux site nouvellement aménagé pour célébrer Saint-Pierre, sous le patronage duquel notre église est placée. En ce 14 août, nous avons souhaité profiter de votre venue, Monseigneur, pour inaugurer et bénir cette statuette de Saint-Pierre. La première statue dédiée à Notre-Dame de Nivernais a été érigée sur ce site en 1958. Cet endroit où nous sommes réunis aujourd'hui est la partie la plus ancienne de Cercy-la-Tour. Et nombreux sont les touristes qui viennent fouler ces marches pour se rendre au pied de la statue de la Vierge ou entrer dans notre belle église inscrite au titre des monuments historiques et qui est classée parmi les plus anciennes du département, à savoir vers la fin du XIe siècle. C'est une première pour Cercy-la-Tour d'organiser sur 2 jours cette manifestation pour l'Assomption. Ce sera une journée marquante pour nous tous. Monseigneur, je vous demanderai de bénir cette statue pour que Saint-Pierre protège notre commune et tous ceux qui y résident. Notre but est atteint puisque les Cercicois, maintenant, on les voit, fréquentent assidûment ce passage, ce lieu. Merci également à la famille Cassier pour ce Saint-Pierre qui, maintenant, je pense, veillera à ce chemin qui monte. Et qui monte. Mais tout le diocèse qui est appelé à venir, certains qui étaient déjà ici hier soir avec cette magnifique montée au flambeau et cet aménagement qui était bienvenu pour notre procession. Je vous remercie aussi de tout le travail que vous avez fait pour faciliter notre pèlerinage, préparer les lieux, accorde à ceux qui seront aspergés de cette eau d'être renouvelés dans leur corps et leur esprit et de te servir avec un cœur pur par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Son Église élèvera la voix. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ouvrons grand les portes au roi des rois. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Génération. Jésus, sois le bienvenu.